connais aussi un autre, c'est Rise Against the Machine. Rise Against the Machine. Bref. Merde, pardon. Aujourd'hui, je suis hyper excité. Parce que on va commencer un nouveau show, on va commencer un truc nouveau sur la chaîne. J'aimerais l'appeler Test and Learn. Test and Learn, pourquoi ? Non, attends, d'abord, je vais te raconter comment m'est venue l'idée. Si tu me suis sur la chaîne maintenant, ce qui est visiblement le cas vu que tu regardes cette vidéo, Egon, t'es trop con, ça fait environ une semaine que je suis rentré et que j'ai fini mon road trip en moto, tu sais. Et ça fait une semaine que, comment dire, mon état psychologique se torture, on va dire, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, dans ma tête, je me pose beaucoup de questions, je me torture beaucoup, c'est l'origine de la chaîne, parce qu'au début, sur la chaîne, c'était qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et si tu veux, je suis tellement un malade mental sur ce plan-là que j'ai voulu en faire une chaîne YouTube, tu vois. Je me suis dit que quelque part, ce serait utile parce que si je me mettais à la place d'un mec qui n'avait pas une chaîne YouTube, j'aimerais bien tomber sur une chaîne YouTube d'un mec comme moi pour me dire que, ah merde, je suis peut-être pas tout seul, je suis peut-être pas anormal, il y a peut-être moyen de faire un truc avec ma vie. Et donc ouais, ça fait une semaine que je suis rentré du road trip, tu vois, et je me suis remis à lire des bouquins et tout, et je me rends compte d'un truc, c'est que c'est quand même hallucinant, mais quelque part, je me sens beaucoup plus vivant dans des situations où je suis dans la merde, tu vois. C'est vraiment dingue, mais je vais t'expliquer. Encore hier, là, premier exemple, par exemple. Je voulais refaire une vidéo normale, comme j'en fais sur la chaîne depuis tout le début. Donc, je me baladais dans la ville, je parlais et tout, tu vois. Je le sentais bien, je me dis, ça va être vénère, cette vidéo. Et là, je me mets devant l'ordinateur pour la monter, et y a un truc qui m'arrive, c'est que... Enfin, je regarde la vidéo et je me dis mais putain, tu dis de la merde et en plus, enfin je sais pas, moi je te crois pas, je me croyais pas quand je me regardais, tu vois, je me mettais à la place d'un mec qui regardait la vidéo comme ça, je me disais mais ouais, enfin il parle un peu mais il parle trop de généralité, tu vois, il sait rien quoi. Et c'est là que je comparais cette vidéo là avec une autre vidéo que j'ai faite pendant mon road trip que t'as sûrement pas encore vue, enfin peut-être parce que du coup elle va sortir après celle-là, mais pendant mon road trip, je parle avec une franchise, mais comment dire, je m'en tape de tout ce que peuvent penser les gens. Tu vas voir cette vidéo, je pense que d'ailleurs au moment où celle-ci va sortir, je l'aurai déjà sortie et elle aura choqué pas mal de gens, parce qu'en gros je dis qu'il y en aura qui vont se planter sérieux et qu'on n'est pas tous faits pour réussir. Et je parle avec une franchise, enfin, j'étais là, limite quand je montais, je me sentais un peu coupable, je me disais mais attends, mais là je parle un peu trop vénère, tu vois. Et bon, et voilà, et tout ça pour te dire que je me rends compte que c'est ça le cœur du truc, que je suis moi-même dans des situations où je suis dans la merde, tu vois. Et ma mère, elle me disait un truc quand j'avais 14-15 ans, tu sais, ma mère, elle a été beaucoup branchée à un moment sur gagner sa vie sur Internet, tu sais. Elle fait de la médecine chinoise, du shiatsu, ça s'appelle, tu vois. Donc, elle a des clients, elle prend des rendez-vous et c'est des séances d'une heure et elle gagne son argent à taux horaire, tu vois. Et elle voulait, en fait, faire de l'échelle, tu vois, ça s'appelle scaler en anglais, et gagner sa vie sur Internet indépendamment du nombre d'heures que tu mets. Parce que quand t'es salarié, qu'on se le dise, en fait, c'est pas du travail que tu échanges contre de l'argent, c'est du temps de ta vie. Bref, elle me disait, mais tu sais, Egon, t'es encore jeune, tu pourrais vraiment faire un truc avec et tout. Et je disais, ouais, pourquoi pas et tout. Et je sais pas pourquoi, je me sentais pas trop le faire et tout. Et moi, depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours été obsédé par travailler. À 14 ans, je voulais bosser. Mon premier job, c'était à la préfecture parce que mon beau-père bosse à la préfecture et c'était une mise souplie, tu vois. Et j'avais gagné 40 euros pour mettre des bouts de papier, des bouts de carton dans une enveloppe. Et ma mère me disait, mais Egon, je comprends pas pourquoi, alors qu'aujourd'hui t'as internet, aujourd'hui t'as des tas de trucs que tu peux faire, je comprends pas pourquoi tu cherches la galère en fait, pourquoi tu cherches à en chier, tu vois, pourquoi tu cherches à toujours te mettre dans des positions où pour gagner quelque chose, tu donnes de toi, tu t'épuises, tu meurs quoi. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'était ancré dans ma tête et je me disais, mais pourquoi j'essaye autant de me,
de me foutre dans la merde pour gagner ma vie, quoi. Et c'est là l'objet de cette première vidéo. Bon, t'as vu, c'est un format. Je me mets un challenge, cette vidéo, je vais pas la monter, je vais pas faire de coupure, je vais, voilà, ça va être vraiment du pur. J'en aurais rien à taper des gens qui disent que ce format-là, c'est de la merde. J'ai envie de le faire, j'y tiens parce que, enfin, je sens que je fais un truc qui était là, qui avait besoin d'être fait. Donc, je m'en tape. Je sais même pas si je vais laisser activer les commentaires, tu vois. Aujourd'hui, sur Internet, il y a un truc qui me gênait depuis que j'étais sur YouTube. Voilà, il y avait un truc qui me gênait sur YouTube, c'est que j'ai l'impression que toutes les vidéos, même si c'est génial, toutes ces vidéos de gens qui font des trucs de ouf, qui ont des milliards d'abonnés, qui font des FAQ et qui réussissent et qui... Tu vois, qui font du jet ski ou alors des trucs un peu plus humbles. Pas forcément tout de suite dans le luxe ou quoi, mais ce truc qui me gênait, c'est que pour moi, il manquait une partie du puzzle. Et je vais te dire pourquoi, et c'est pour ça que je fais ce show-là, le test and learn, parce que c'est tellement important pour moi aujourd'hui, c'est ce qui me bloque en fait dans la vie. Et c'est pour ça qu'il faut que je l'extériorise et que je commence à travailler là-dessus, et je pense que ça va être ce qui va guider un peu ma vie pour l'instant, enfin, pour les prochains mois et pour les prochains trucs. Le problème sur YouTube, c'est qu'on voit seulement des gens qui... On te montre que la façade. On te montre une vitrine toute belle, toute préparée, toute finie, dans laquelle les gens sont heureux et dans laquelle les gens ont connu le succès sur Internet. Ils sont plus salariés, ils ont des revenus qui rentrent comme ça, ils font des formations, des trucs comme ça. Et moi, ce qui m'énerve... Ouais, en fait, ça m'énerve, tu vois. Je le dis vraiment, Je sais, je vais un peu loin dans mes propos, mais je vais le dire maintenant, ça m'énerve, c'est le but, c'est d'être franc maintenant, j'ai envie d'être franc, de dire les choses comme elles sont. J'aimerais tellement voir des gens comme moi faire des vidéos sur leur quotidien et sur comment ils en chient. Le problème, c'est qu'on voit personne en chier. On voit personne, on voit pas la vraie partie, on voit pas le réel. C'est ça qui nous manque. Moi, c'est ça qui me manque, ça me manque cruellement. Et c'est pour ça que j'essaye depuis le début de faire ces vidéos, de montrer que je fais des vidéos sur YouTube, mais j'essaye pas de gagner ma vie avec parce que je sens que c'est pas le truc. Je sens que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je pourrais essayer, mais ce serait même pas la peine parce que j'aurais pas la motivation de le faire. Je dis pas que tout le monde doit le faire, hein. Je dis pas que tout le monde doit en chier et tout, mais c'est ma façon de voir les choses, c'est ma voix, on va dire. Et j'aimerais bien qu'on parle plus de cette partie-là, cette partie un peu sale dont personne veut parler. Tu sais, les fameuses 40 heures que tu dois faire par semaine pour, enfin en Australie en tout cas, pour te faire 1 000 $ et pour payer ton loyer. J'aimerais qu'on parle de ça et qu'on parte de ça sur cette base que on a besoin de ça. La jeunesse a besoin de savoir qu'il faut en chier maintenant. Je pense qu'on a été trop élevé sur l'aspect mental des choses. Tu vois, c'est ça le paradoxe, c'est que les générations d'avant, la génération de nos grands-parents... Pardon. J'ai la crève, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je pense que j'ai la crève parce qu'il fallait que ça sorte et il y avait un truc en moi et là, c'est le moment de le faire sortir. Enfin bon, bref. Nos grands-parents et nos parents, ils n'avaient pas le choix. Ils ont dû en morfler. Ils ont dû commencer à bosser à 15 ans, 14 ans, et à gagner leur vie comme ça, et à construire leur chemin là-dessus. Nous, c'est tout l'inverse. Nous, on a tout. On a l'instantané, on a YouTube, on a Amazon, nos parents, on réussit, parce qu'eux, ils ont en chié pour réussir. Du coup, on a tout qui nous est offert, quoi. Et on est trop dans le mental maintenant, c'est-à-dire qu'on pense, on a trop de choix, il y a trop de trucs à faire, on sait plus quoi faire après le bac, tu vois, on sait plus, on sait pas quoi faire, on nous propose des études, on nous propose d'être entrepreneur, on nous propose de faire du bénévolat, tu peux voyager, il y a trop de choix, quoi. Et c'est tellement important qu'on en parle et qu'on commence à partager un peu la réalité, parce qu'il faut sortir de ses gonds, il faut sortir de sa grotte et regarder la vie comme elle est à un moment, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me suis créé un compte Snapchat. Enfin, pas créé, j'ai rendu public mon compte Snapchat récemment. C'est aussi pour ça, c'est parce que j'aime bien la proximité dans les vidéos. Je suis désolé, je suis malade comme un chien. Et du coup, ouais, je me suis créé un compte Snapchat. Tu peux voir le barcode là. Et une fois par semaine, on va faire cet épisode du Test and Learn. C'est une sorte de show, on va dire. Test and learn, et on va parler de trucs qu'on a appris, on va parler de trucs qui nous emmerdent, qui nous ont emmerdé pendant la semaine, on va parler de relations, on va parler de voilà comment ça se passe avec ma copine. Tu sais, moi j'ai une copine en France, elle va me rejoindre,
Ça va être un bon petit challenge dans ma vie. Qu'est-ce qui te fait chier au travail? Pourquoi ce travail te fait chier? On va parler de tout ça et pour moi, c'est tellement important. Et oh, je suis content d'avoir fait cette vidéo, je me sens tellement mieux, tu vois. L'important, c'est de poser cette première brique, de commencer à faire. Il y a tellement de gens qui me demandent des trucs comme quoi, ouais, j'aimerais partir en Australie, mais je sais pas quelle assurance prendre. Dans quelle ville arriver? Et je comprends parce que je me suis posé les mêmes questions vraiment, tu vois. Mais à un moment, on s'en tape, quoi. Si tu veux partir en Australie, enfin, c'est juste un exemple parmi d'autres. Si tu veux partir en Australie, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la première assurance que j'ai vue. J'ai même pas regardé les conditions. J'ai même pas imprimé mon contrat. Je sais même pas ce qu'elle m'offre, mon assurance, là, tu vois. J'ai pris le billet le moins cher tout simplement parce que voilà, je suis pas millionnaire, j'avais juste besoin d'arriver à telle date avec le billet le moins cher. Et tu pars quoi, et si tu as besoin d'infos, tu vas les chercher. Et si tu as besoin d'un job, tu vas chercher ton job, tu abandonnes pas au bout d'une semaine. Tu vois, c'est de tout ça qu'on va parler. Voilà, cette vidéo, j'espère que c'était pas un peu brouillon, mais j'avais besoin que ce soit placé sous le terme de la franchise cette fois. Éventuellement, ça va s'améliorer, on va construire un peu les choses et tout. Du coup, à chaque fin de semaine, je ne sais pas trop quand, là on est dimanche, mais disons que ce sera chaque dimanche, on fera une vidéo test and learn. Je posterai une story pour dire que sur Snapchat, donc c'est pour ça, il faut vraiment que tu m'ajoutes là, tu as le logo ici, pour dire que les questions seront ouvertes. S'il n'y a pas de questions, c'est pas grave, j'aurai toujours des trucs à dire. S'il y en a, je me ferai un plaisir de répondre et voilà, qu'on communique, qu'on commence à la réveiller cette jeunesse quoi. Allez, moi je te laisse, je vais me moucher, j'en peux plus là, je meurs. Je te dis à la prochaine. Ciao. Test and learn.